Bonjour à tous. Ici, je vais vous parler d'une personne que je n'ai jamais vue. Il s'agit de maman Christine Eto. Certaines personnes vont se demander, mais pourquoi parler d'une personne que tu ne connais pas, d'une personne que tu n'as jamais vue? Mais je vous en prie, vous devez comprendre que quand on regarde un peu en arrière, vous verrez que il y a des personnes qu'on connaît bien à fond sans jamais les voir. On les appelle les zéros. Ce sont des zéros. Vous allez prendre le cas comme les Jean-Jacques Rousseau, les Louis XIV et tout le reste de lui, les Washington, les Madison, Hitler, ce sont des gens qu'on n'a jamais vus. On ne les a jamais vus. Et vous verrez que les gens comme les Napoléon Bonaparte, tout ce groupe de personnes, on ne les a jamais vus. Jamais. Mais on les connaît à fond. Pourquoi sont des zéros? Peut-être héros côté positif ou héros côté négatif. Mais on les connaît à fond. Donc c'est pour vous dire que il y a plusieurs personnages. Certaines personnes n'ont jamais vu Donald Trump, n'ont jamais vu Obama. Je parle en personne, donc physiquement. Comme Clinton, comme Bush, comme notre président Paul Biya. Vous comprenez? Mais les connaissent. C'est comme ça. On appelle ces gens-là les zéros. Comprenez? Dans les icônes. C'est comme ça. Donc, je vais vous dire que je n'ai jamais vu en personne, physiquement, la maman des taux. Jamais. Je ne l'ai jamais rencontré. Jamais. Mais je vais vous dire que dans mon esprit, je la connais. Mais je ne l'ai jamais vue. Mais je la connais. On connaît ces personnes. Comme son cas. Le cas dont je suis en train de parler. On la connaît par son comportement. Son humblicité. Oui, on la connaît bien dans nos esprits. Pour des gens qui connaissent, qui comprennent, doivent la connaître. Et la connaissent bien dans les esprits sans jamais la voir. Les grandes personnes, surtout les grandes mamans, je ne parle pas maman d'âge, non, dont les oui, les grandes mamans, dont les mamans des icônes. Les vrais sont comme elles et font comme elles. Un exemple, Maman Yenga, à son vivant, c'est ce genre de comportement qu'elle avait. Pour elle, c'est un cas à part, parce que quand même, pour elle, oui. Physiquement, tout ça, oui. Mais, le monde entier la connaissait. Le monde entier la connaissait. C'était grâce à son humblicité. Elle était très humble. C'est comme ça. Les mamans des stars doivent être comme ça.
les mamans de ces grands personnages, les gens de grandes personnalités doivent être comme ça. C'est-à-dire, elles ne doivent pas se faire voir parce qu'elles sont déjà vues. Elles sont déjà trop vues par leur œuvre, par leurs enfants. Elles sont trop vues. Oui. Celles qui sont intelligentes, celles qui sont sages, comprenez, sont comme elles. Vraiment, Clémentine. Depuis que Eto, son fils est Eto, depuis qu'il est Eto mondialiste du football, on ne la sent pas, mais elle est là. Mais on la sent dans nos têtes. On la sent dans nos esprits. Elle est là. Cool. Elle voit tout ce qui se passe. Elle capte tout. Elle se ressaisit. Et elle reste à sa place. Dure. Bien ferme. C'est comme ça, c'est ça qu'on veut. La maman d'une icône, ne doit pas être celle-là que bla 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 bla, moins de choses. Non, on dirait une soulave. On dirait une joguée. Parce que là, un, c'est exposer ton fils, ta fille, ton enfant. Tu l'exposes. La vraie maman doit couvrir. Les enfants ne doivent pas les exposer. Une maman qui attaque son entourage expose plutôt sa progéniture. Une maman qui fait le boucan, tu sais que tu es déjà un tonneau très plein. Pourquoi faire du bruit? Pourquoi faire du bruit? Pourquoi? Ça ne sert à rien. Laisse les autres le faire à ta place. Et mets plutôt le refroidissement. Tu dis non, laissez, non, laissez. Les gens veulent jaillir. Tu dis non, laissez. Tu dis là pour le calme. C'est comme ça. Donc je suis en train de dire que la maman Clémentine, pardon, la maman, j'ai dit Clémentine, c'est, bref, je n'ai pas expliqué, c'est une autre personne, c'est un autre nom. Donc, je m'excuse, la maman Christine, dont la maman d'Eto, elle est exemplaire, à présent. On ne sait pas ce qu'elle peut faire demain, mais pour le moment, depuis que Eto est Eto footballeur, jusqu'à présent, elle est exemplaire. Je vous dis, vous la voyez, simple, humble, toujours dans son sourire. Elle est là, mais elle voit tout, elle voit tout. Elle ne s'acharne à personne. Elle ne s'acharne à personne. Donc, on la connaît, on la voit. Je reviens ici à dire verbalement à la maman du footballeur, je ne veux plus mentionner son nom. Je ne veux plus mentionner son nom, vous la connaissez tous. Je ne veux plus mentionner son nom dans ma vidéo, hein? Je ne veux plus. Parce que son fils est très calme. Malgré son indiscipline, il est calme devant nous. Malgré son indiscipline. Là, c'est leur problème là-bas, dans leur tanière. Est-ce que ça nous concerne? Peut-être à faire football, mais leur problème, c'est leur problème, ça ne nous concerne pas. On n'en sait rien de cela. On entend ce qu'on nous dit. On nous dit, on entend, on ne nous dit pas. On reste tranquille. Donc, je ne veux même plus mentionner son nom. Mais j'ai dit sa maman. Selon moi,
ici, c'est selon moi. Elle n'avait pas bien agi. Quoi que ce soit, elle n'avait pas besoin de sortir, de donner le coup de gueule au Cameroun et aux Camerounais. Elle n'avait pas besoin de faire cela. Par contre, si elle pouvait faire quelque chose, par contre, si jamais elle était au pays et si jamais elle était auprès de la population, c'est plutôt oh non, c'est comme ça, c'est l'enfant. Vous comprenez? Mais elle est plutôt sortie donner la gueule. Gueuler les Camerounais, gueuler le Cameroun. Selon elle, abaisser ou rabaisser. What did they say? Is it rabaisser? Non, rabaisser. Elle est plutôt sortie rabaisser, selon elle, le Cameroun. Oh, elle n'a pas rabaissé le Cameroun. Elle sait plutôt rabaisser. Parce qu'elle s'est fait connaître du côté négatif. Vous comprenez? Elle s'est fait connaître du côté négatif. Ignorant qu'il y a les mamans, il y a eu des mamans avant qu'elle. Et les mamans, maintenant, avec elle. On ne les sent pas, mais elles sont là. Elles sont là. Sauf si leur fils les présente et comme tous le font. Vous voyez que la maman de notre boxeur, le grand boxeur mondial, gagne. Vous voyez que sa maman est là, dans son calme. Elle ne gonfle pas. Elle ne pousse pas le tapioca, ni les beignets. Donc, elle ne gonfle pas comme le tapioca ou comme les beignets, comme le beignet qu'on jette dans l'huile. Non, 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 elle est là pour elle, cool. Elle est là. Son sourire aux lèvres. Oui, c'est comme ça les vraies mamans. Elles sont là. Ce n'est que la prière dans leur cœur. Ce n'est que la douceur. Ce n'est que l'honneur, l'adoration de Dieu. Merci Seigneur. Ce n'est que ça dans leur cœur, dans leurs âmes, dans leur bouche. Ce n'est que ça. Même s'il y a bagarre, c'est sorte, c'est pour séparer, c'est pour arranger, c'est pour mettre du calme, c'est pas pour le désordre, c'est pas pour gueuler quelqu'un. Parce qu'elles savent qu'elles sont déjà top. C'est comme ça les vraies mamans. C'est comme ça. Donc il est vraiment inadmissible de voir la maman d'une star, de l'entendre aboyer dans les réseaux sociaux. Laissez mon fils tranquille. Et mon fils ceci et cela. Et j'ai fait ceci. Et mon fils. Maman, notre soeur, ce n'est pas ton fils seul. C'est notre fils aussi. C'est notre frère aussi. C'est notre cousin aussi. C'est notre confrère aussi. Ce n'est pas ton fils seul. Tu ne dois pas sortir faire ce boucan. Laissez mon fils. Laissez. Tu le monopolises. Tu ne dois pas le monopoliser. C'est lui qui doit te monopoliser. Ma maman. Mais toi, monopolise-le dans ton cœur. Garde ça dans ton cœur. Tu donnes les louanges à Dieu. Tu remercies Dieu. L'enfant a mis le but dans son pays d'origine. Les gens sont fâchés. Ou pas. Pour ceux qui sont fâchés, écoute, pour ceux qui sont fâchés, si tu peux être près d'eux, tu les abaisses, tu les refroidis le cœur. Ah, c'est les enfants.
les enfants là, c'est comme ça. Et d'une manière, pour ceux qui ne comprennent pas, tu peux un peu expliquer d'une manière. Je parle là de tes proches. Donc vous savez que bon, il a déjà eu la nationalité et non seulement ça, même s'il n'avait pas la nationalité, tant qu'on les prie, il joue, c'est son boulot, c'est son travail, c'est son job. Donc, il doit faire ce qu'il a fait. Donc, laissez. Et là, ça dépend de qui, à qui tu parles. J'ai bien dit, ce sont tes plus proches, vrais. Plus proches ne veut pas seulement dire dans ta maison, non. Si c'est vraiment ton ami intime, ta camarade intime, tu l'expliques cela. Et si elle voit le contraire, supporte-la dans ton compte. Tu dis, ah, on va faire comment? C'est l'enfant, on va faire comment? Hein? Ah, on le supporte, supporte. Tu lui dis cela. C'est comme ça, tu calmes. Tu es là pour calmer. Tu n'es pas là pour gueuler, pour aboyer, pour saboter. Pour saboter. Non, tu n'es pas là pour saboter. Parce que là, je vais te dire que tu es suisse, oui. Par exemple, moi, je suis américaine. Hein? Mais laisse-moi te dire, les origines, là, c'est quelque chose. Les origines, c'est quelque chose. Quoi que tu fasses. Oui, il a mis le but. C'est fier. La Suisse, c'est fier. C'est fier. Tu sais quoi? S'il ne mettait pas ce but, par contre, God forbid. God forbid veut dire, on ne souhaite pas. God forbid. S'il giflait quelqu'un, c'est là que tu sauras que tu n'es pas suisse. Je te dis, c'est ça. C'est là que tu sauras que, hey, je croyais que je suis suisse. Oui, c'est là que tu sauras. Bien sûr, la loi va défendre cela. Mais avant d'aller au parquet, ceux qui font leur travail de discrimination ont déjà fait, même s'ils seront condamnés au parquet, ils l'ont déjà fait. Donc, c'est là que tu vas comprendre que, ah, donc je suis camerounaise. Je suis africaine. Oui, c'est là que tu vas comprendre cela. Où qu'on soit, quoi qu'on fasse, on ne doit pas oublier là où on sort. Quand déjà une personne oublie sa racine, la personne est fichue. J'ai dit la personne est bobelet. Je vous dis la vérité. Quand déjà une personne oublie, néglige, sabote, méprise, là où elle sort, c'est terminé pour la personne, sauf si la personne change, hein. C'est fini, c'est terminé. C'est le genre que, en Cameroun, pas en Camerounaise, non, en Cameroun, on dit, grandis alors on voit, pousse alors on voit, parce que quand tu es coincé, clac, tu regardes en haut, tu regardes en bas. Tu as fait comment? Tu as fait comment? Nationalité. Oui, on le sait. Mais n'oublions pas. Des droits. Tous les droits sont pareils. C'est la même chose avec souche. Mais c'est pas souche. C'est pas souche. Oui, ne me comprends pas mal. Je ne suis pas en train de dire de ne pas aimer la Suisse. Non. Aime la Suisse à 100%. Pareil comme ton origine. Aime aussi à 100%. L'air là, souviens-toi, je pense que peut-être, je pense que je ne suis pas la seule. Hein. Souviens-toi. Dès que le mois de mars arrive, donc avant le 15 mars de tous les ans, les premières pluies là, quand il pleut, tu sais, la sécheresse a déjà séché partout, la poussière partout, les premières pluies là, l'odeur,
du pays natal. Ça ne te pénétrait pas souvent dans les narines, tu ne sentais pas souvent cela? Et quand bien même tu pars au Cameroun, tu ne sens pas cela. Si jamais tu pars au Cameroun fin février, surtout en mars, comme j'ai dit là, début mars, les premières pluies là, tu ne sens pas. Oui, les premières pluies partout au monde, oui. Mais je vais te dire, tu ne sentiras jamais cela en Suisse. Si c'est comble chez moi, ici, chez nous, aux États, je dirais que tu ne sentiras jamais. Parce que l'atmosphère, où est la poussière là, tu ne sentiras jamais cela. Donc, ce n'est que mes idées, ce n'est que mon opinion. Tu dois aimer la Suisse bien, baricoler. Parce que c'est un pays, parce que le pays qui t'accueille. Par exemple, moi, les États-Unis qui m'ont accueilli, m'ont donné la nationalité. Merde, je suis américaine et très fière de l'être. God bless America. Oh oui. Très fière de l'être. Donc, j'aime les États-Unis. Tous mes respects à nos forefathers, dans nos arrières, les Washington, les Madison, tout ce monde, les Lincoln, on doit les donner le respect parce qu'ils ont bousculé fort pour ce pays. Je suis venue et j'enjoy ce pays qui est subvenu. Quand je dis je donne tous, je parle pas de moi, hein? Je parle pas de moi. Dans ce pays que nous tous, nous sommes venus, surtout les États-Unis. Les gens viennent de partout, non? Mais les fondateurs là, qui ont mis des bonnes lois et tout, et tout, et tout, et tout, bons droits. Le respect de l'être humain, tout ça. Le human rights. On doit les donner les honneurs. On doit aimer son pays comme moi j'aime les USA. Je parle comme ça à toi. Toi, la mère de cette grande star là. Je m'adresse à toi avec le bouquin que tu as fait. C'est pour te dire que tu dois, de la même manière, aimer la Suisse. Mais même la Suisse, je vais te dire, ne serait pas contente de t'entendre donner là où tu sors. Comment on dit chez nos pays? Là où tu sors. Non, où que tu sors. Comment on dit chez nos pays? La Suisse. Ils ne seront pas fiers de t'entendre. Je prends tous les exemples sur moi. Si aujourd'hui je me mets à insulter, à saboter, à insulter le cas. Non, je vais vous dire. Même l'eau ou la voisine, la plus proche, elle va se dire, hey, c'est la honte à part sur qui? Sur toi-même. Oui. Parce qu'elle, si par exemple, si peut-être, si ses origines, si elle est d'origine, soit française, soit d'origine allemande. C'est rare que tu vas l'entendre saboter là-bas comme ça, dans les réseaux. Même s'il y a quoi. Et surtout pour une cause zéro. Oui, il y a les cas. Il y a les cas. Parce que le plus souvent, on dit, comme on dit souvent, il n'y a pas de règles sans exception, n'est-ce pas? Mais il faut vraiment les cas terribles pour agir comme ça, parce que oui, une réalité, te voilà. Si maintenant, tac, ton doigt, tac, disons quelque chose d'un peu bizarre là, et que tu te places là, tu parles, tu aboies même dans les réseaux, les gens vont seulement applaudir. Qu'elle a raison, elle a raison, tu aboies. Comme tu as aboyé là.
les gens vont dire elle a raison. Mais pour un truc de match, un truc de football, personne n'est en danger. Le jeu, c'est quoi? Ce n'est qu'un jeu. Le ballon est rond et ce n'est qu'un jeu. Tu sautes, boum, et tu fais ce que tu as fait là. Ma soeur, c'est pas... Selon moi, ce n'est que mon avis. Et ce n'est que le mien. Je ne peux pas te forcer d'être Pauline ou Jacqueline ou Suzanne. Tu fais ce qui te plaît. Mais je reviens ici à féliciter maman Christine, la maman de tout. Son comportement exemplaire. Je n'ai jamais entendu cette dame faire un boucan. Son fils a joué partout, grand joueur. Il a eu tout ce qu'il a eu. Mais tu n'as pas. Quand elle est au stade, elle est là, comme tout spectateur. Tu ne peux même pas connaître que là où elle est, elle a un protocole qui la surveille. Tu ne peux pas connaître parce qu'elle est là simplement. Elle est là tout simplement. Tu ne peux pas connaître que non, là où elle est là, c'est une présidente. Tu ne peux pas seulement sauter de n'importe où pour aller la bousculer. Son protocole est là. Tu ne peux pas connaître. Elle est là pour elle coule. Dans ces mamans-là, comme la mère de Nganou, comme je disais tantôt, et comme maman Eyenga. Maman Eyenga, dont la grand-mère du Kamer. C'est comme ça. À son vivant, c'est comme ça qu'elle était. Pour elle encore alors, c'était vraiment waouh. Pour elle, c'était, je dis vraiment, 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 parce que ni protocole, ni rien, justement, elle. Et rien. Elle était très humble, accueillante de tout. Tu passes seulement, hein. Elle t'appelle. Ma fille, viens manger. C'est pas que c'est la viande ou quoi, hein. C'est qu'elle mange. Comme elle aimait le pomme, sans sel, le sans sel, elle t'appelle. Donc sans gros dos, sans rien. Elle n'avait pas besoin de faire le tapage. Non. C'est comme ça les vraies mamans. Et c'est comme ça partout au monde, les vraies mamans. C'est comme ça. Partout au monde. Tu as entendu la mère de quelle star? Des relais d'ici aux États-Unis faire le boucan, faire non. Il n'y a jamais eu. Il y a eu une star. Sa mère n'a jamais fait le boucan. Mais puisque star, c'est star, elle a. Quand il était bébé, je ne veux pas aussi m'en passer aussi trop fan de lui. Hein. Je suis number one fan de lui. Et même si je mentionne, je pense que tout le monde connaît la mère d'Eminem. Quand il était bébé, elle n'a jamais rien fait de mauvais, sauf que selon les droits américains, on l'avait trouvé un peu bon. Parce que une fois, elle voulait s'étudier du gouvernement et bon, elle s'est présentée comme une personne que bon, l'enfant, ceci, cela, le bébé, ça ne va pas. Et c'était rien que ça. Depuis là, elle n'a plus jamais fait la bêtise là. Parce qu'elle voulait, c'était depuis qu'il était bébé. Oh, mais ça, il n'y a aucune star américaine que tu vas entendre. Voilà les Rihanna qui est aujourd'hui la plus riche des stars. Et ça, ouais, ça m'en fait du bruit. Non, même s'il y a quoi, c'est que les avocats sont là. Si c'est un cas, un genre, les avocats sont là. Et comme j'ai dit là, ça dépend de cas et cas. Quand c'est un cas, un genre, difficilement mentionné. Quand c'est un cas, un genre, donc un cas de brimade quoi. Oui. C'est là que bon, là elle sort, là, elle sort.
dans les grandes voix, les grandes antennes. Et elle lance son cri. Là, elle dit tout ce qu'elle veut dire. Mais pas que parce que l'enfant est parti jouer, ceci, cela. Où il a mis le but et les gens disent que. Les gens, ah maman, tu te avec les congosseurs. Parce que là, sont les gens, sont les. Attends, sont les congosseurs ou bien les congossaillers. Ce sont les gens de Congo, ça. Hmm? Qui vient t'attaquer? Qui a même touché l'enfant? Qui l'a touché? Personne. Qui s'est même placé comme ça, lui parler physiquement? Personne. Personne. Personne, j'ai dit personne. Personne. Seulement les miam 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 derrière. Les miam 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 miam. Les gnom 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 gnom. Comme l'autre dit souvent gnom. Oh, c'est les gnom. Les gnom gnom. Fleur de Lille dit les hauts. Ce sont les gnom gnom. Oui, ils sont encore là. Donc, là, ce sont les paroles du derrière. Hein? Oui, il faut prendre ça à zéro. À la prochaine, si jamais un truc comme ça. Ah maman, ma soeur, prends ça à zéro. Prends ça comme si de rien n'était. Tu restes pour toi cool. C'est tout ce que j'avais à dire ici. Je vous aime tous et je reste toujours votre sœur. Glory. À bientôt. Et à la prochaine vidéo. La viole. Je vous aime tous. Oh mon Dieu, et c'est pas une cherche. Cherche à. Ouais, moi je sais pas. Mon appareil ici. Je vais le remplacer quand non. Alors remplacer la quand même. La vidéo est finie, je cherche à fermer, ça se ferme pas, je fais comment.